Bonjour Mamboka Sénateur. Bonjour. Mamboka dit Mouimboka Oyo Pesara Bayimboka actualité. S'il s'agit des actualités politiques parce que Congo a mis placé à Royumbo Bayimboka, qu'est-ce qui se passe dans la 4 pays démocratie du Congo Mamboka? Avant la côte, il y a un peu de temps pour aller là. C'était bon de vous Toza malamu et puis toza beaucoup plus préoccupé na ozo le kana est la République démocratique du Congo. Vraiment situation sécuritaire en Mboka na biso et koki kotika biso indifférente. Vraiment toza des cœurs na bande na biso baza à l'est la République démocratique du Congo, surtout na Bunagana et partout en République démocratique du Congo. Vraiment toza fardese na mutema, c'est ça les sentiments au biso nyonso en tant que Congolais toza partagé. On a beaucoup le mieux à faire des séries, on a beaucoup de coups de lumière nous sur quoi les deux sur comment on a Nabilili, Nabetandoeke, à quoi ils se couchent même à minuit sommet, Nabata Nairobi, opération conjointe, ils se concentrent entre les cinq pays, il y a Afrique de l'Est, l'Afrique du côté qui mène à côté Est. Mais il faut le dire que on a beaucoup à finir ce qui est trahir la République démocratique du Congo, qu'aussi n'a pas n'abaye ou avant ça, mais malgré tout, aux alliés n'a qu'à sa communauté, mon roman a beaucoup. Bon, d'abord, premièrement, Nazali contre manœuvre nyonso ya manipulation oyo eza de nature ya ko diaboliser démarche ya président de la République na gouvernement ya RDC. Forme oyo makambu ezali interprété na opinion publique na biso ya Congo, ezali ko résulter na ba information biaisée o bazali ko tambwisa na batu à travers les réseaux sociaux, à travers des acteurs politiques malveillants ou bazar mal intentionnés, na souci ya ko créer des ordres pour na kotanga na muta Félix Tshisekedi. Et logo ali boso d'abord na kotali Cesali que na Kenya na Nairobi, il n'y a aucun accord qui a été signé par Félix Tshisekedi. D'ailleurs, communiqué à présidence de la République, ezali ko appuyer makambu o na za loba awa. Na Kenya pour la première fois oyo ba serenisa ki pour na makambu Etali est ya République démocratique du Congo, situation sécuritaire nango to landa ki biso nyonso na bilili, même ba président ya Burundi bakendaye ko sala ba contre andi na bamboka na bango. Nous savons tous clairement ce qui a été décidé na Kenya na première réunion ya ba chef d'état ya région ya communauté des états de l'Afrique de l'Est, kuna balobaki que ba mouvement rebelle nyonso ba sala reddition ba adhérer na processus ya paix. Deuxièmement, il a été décidé que le mouvement rebelle au bazar étranger na sol ya batu, il faut bazonga na bamboka na bango. C'est-à-dire ba kende ko s'arranger na bamboka na bango ba adhérer na processus ya paix. Ce qui n'a pas du tout été apprécié par Paul Kagame. Awa na deuxième réunion, il s'agissait ya force régionale au balobaki, toujours na première réunion, ya kocha en place pour na ko résoudre problème ya sécurité à l'est du Congo. Et loko eza ko bima loko la tole a protestation parce que toyoki ba tebele ba congolais ba mususu baza ko adhérer sans toutefois ko analyser ba vrai fait. Le gouvernement de la République démocratique du Congo baza d'accord que force régionale wana ya ba pays membres ya communauté des états de l'Afrique de l'Est, il faut eya na est ya République démocratique du Congo mais sauf présence ya ba Rwandais. Toyoki pe kuna na makambo ezwami kuna loko la ba décision. Ils sont d'accord que les États membres, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, va créer force régionale ou bientôt opérationnelle à l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a un problème entre opérationnalisation dans le pays où nous sommes existants, dans le Katia et EAC. Tous les pays membres ont le droit de participer dans la réunion où ils ont la sécurité, la région, l'Afrique de l'Est. Tous les chefs d'État, naba chef d'État-major, naba ngo bazan a droit wana. Mais à ce qui concerne l'opérationnalisation de cette force, pays concernés, azape naba condition na ea posaka. C'est-à-dire pour la RDC, nous avons posé les conditions que tolingi komo na présence ya ba Rwandais te na sol na biso na ba troupo ba kotinda ao. Mais il y a une démarche de diabolisation où ils ont tambola, surtout dans les réseaux sociaux. Tout moni Fayoulou qui incite les gens de cette façon, tout moni Bassette Kikuni, tout moni la plupart des kabilistes. Bazui, on a même montré des images, livre d'or au président de la République a signé. Il y a des gens qui ont fait des publications pour montrer aux Congolais que livre d'or, wana ezali accord signé dans Nairobi, le président de la République vient de trahir
la République démocratique du Congo. Ce qui est faux, le président de la République n'a signé aucun accord, ce sont des engagements dans le cadre de la communauté wana. De deux, et loko biso ba congolais photo mitu na ezali biso na président de la République o azali mokonzi amboka na nyanza mieux informé. Peut-être les gens pensent que ceux qui ont eu la brève information, ou tout ça qu'on récolte dans les réseaux sociaux, parce que c'est là que passe la manipulation. Tout ça infiltré, il y a des gens qui créent des comptes anonymes, qui créent des comptes dans les faux noms, ou yo bazali qu'on utilise pour na ko ça la ka ko relayer ka ba fausses informations, ko diaboliser ka, ou ezali ba décision ya opinion. Nous savons tous bato oyo ba terminer qui tu sais que dit na coalition FCC cash qui sont aujourd'hui avec Joseph Kabila. Toyebi biso nyonso comment l'état de siège a été combattu par la majorité à ba parti politique au bazan mbenga opposition ya Félix Tshisekedi. Ces mêmes personnes aujourd'hui ba kangi munoko na bango état de siège za suna munoko na bango te. Ils ont oublié l'état de siège. Maintenant, ils veulent nous faire croire que Félix Tshisekedi est allé trahir le peuple congolais na Nairobi. C'est faux. Félix Tshisekedi a kiyi kuna te pour na ko baisser tête. Le Félix Tshisekedi n'est pas allé pour na kokende ko talisa kokende ko céder Congo na banchère ou bien soit ko bima lokola mutu moko faible. Non, la diplomatie a ses mérites. Les Congolais doivent savoir que entre le président de la République et les citoyens normaux au Tozali, il y a une marge de manœuvre. La marge de manœuvre est que un président de la République a à sa possession des informations qu'aucun autre citoyen n'a pas à RDC à Zanango. Makambo, président de la République à Zouaka, n'a obligé de Zouaka et Koukanite. C'est le président de la République qui engage le pays. Sauf à trahir, nous verrons l'événement de Zakokende. Kabila nous a trahis en 18 ans. Tout le monde y a conséquence. La plupart des accords qui ont été signés, Outa Mouze, Ayakana, Ebele, Abarwando, Fono, Ayakina, Bango, Awa. Na ba beligera na ya memaki awa afdel mo baba memaki awa to moni conséquence nango tous ces accords là pèsent sur notre pays alors que les Congolais ba sangajaki nango te to moni Joseph Kabila tous les accords signés na ba mouvement rebelle comment Joseph Kabila a facilité Paul Kagame ko kotisa ka ba Rwandais na kati ya ba institution na biso c'est lui qui a fait ses plus grands lots de travail c'est Joseph Kabila ba Congolais ba zalaki wa pendant tous ces temps ici, biso tozo vivre na kati ya République démocratique du Congo, on parlait de l'infiltration rwandaise, bien facilitée par Joseph Kabila. On avait un parlement, Assemblée nationale na Sénat, on s'en a bango ezagini. Comprenons que les gens qui ne sont pas amnésiques, bazali na temps ya kota la ba événement, pour réévaluer yango ko sala inventaire kota la qui est fautif. Félix Tshisekedi depuis qu'il a accédé au pouvoir, il a qu'un seul objectif, c'est de pacifier l'est du Congo. Le mal s'est nominé. Le président aujourd'hui, il le dit clairement, l'agression rwandaise est reconnue mondialement. Le président de la République n'a pas de raison d'aller se cacher ou bien de faire quoi. Mais il y a des choses qui se disent entre les chefs d'État où il y a des secrets dans le monde. Mais ils ont abandonné, on a vu ça, ça la campagne, ah ouais, bamoussou, ça va tirer, bango, bambo. On a aujourd'hui maintenant la certitude que M23 a un lien, n'a pas politicien congolais, au balingité que sécurité côte à l'est parce que vous avez un bilan à Félix Tshisekedi. Les M23 aujourd'hui revendiquent le même, hein, la même revendication na bloc patriotique. Les Fayoulou, les Katumbi, l'Église catholique, tous ces gens-là qui disaient ici, oh non, Félix Tshisekedi, il faut tout revoir processus électoral. Aujourd'hui, la revendication na bango M23 a sombiango et komiyaye. On comprend clairement les liens qui sont en train de trahir la nation. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Moi, je demande na bande qu'on a biso. Ou peut-être, il y a une difficulté à faire l'analyse de Malam, qui ont voté Félix Tshisekedi, de faire confiance au président de la République, d'être vigilant, d'être mobilisé. Parce que ceux qui déjà ont voté, ils ont fait confiance. À quoi vous pensez à ce bilan? Nous avons tout le temps de voir ces actions, ceux qui ont action, ils ont mis le malheur dans le Congo. Mais aujourd'hui, on mobilise tous les Congolais. Les Ougandais, les armées, ils ont les forces d'occupation, ils ont trop d'experts au Congo. Aujourd'hui, Fayoulou, Mukwege et les autres ne peuvent pas nous dire que l'état de siège, Baboyagi Ango, Bazaye Kote le Melango, Bakoko Yebisa Biso Angote. Jusqu'à aujourd'hui, il s'était. Le Baebisa Biso Kabila Azama Bendenga s'associer à Tshisekedi et sa pouvoir et à compromis, Félix Tshisekedi Azaye Lilingi à Pamba. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui trahit. Ce n'est pas Kabila ou Yachaki Félix n'a pouvoir Moutazo trahir et commis Félix Tshisekedi. Donc, comprenons qui sont nos acteurs politiques, qui sont les vrais infiltrés.
Donc, bato bazo luka ba chasaka ba Rwandais. Bato bazo luka chasse na ba Rwandais. Nous avons aussi des Rwandais dans la peau des Congolais. Nous avons des agents de Kagame qui sont ici des Congolais. Pendant que nous cherchons bato musu bazo luka ba machette, il y a que des luka ba Rwandais et les autres les infiltrés qui en profitent, sachant qu'il y a aussi des Congolais. J'accepte nazo lobango vraiment en toute franchise qu'ils sont bêtes. Ce sont nos frères faibles. À cause ya mbongo botonga ba immeuble bo luka soki bo sala nini bandimi na bango ko sala l'agence na politique ya Paul Kagame. Donc c'est simple. Merci beaucoup mon amour, c'est toujours quand on te reçoit conjointe oui ici au salon na batia na Nairobi mon amour. Ba imboko ba ki ba pays oyo ba se passer li oyo pour la république ba suis ba se mettre d'accord pour luka est la république du Congo ba pays ko ba ngomoko ba viaka toujours RDC. Qu'on viendra toujours à RDC pour les minerais, mais tout ce qu'on coûte, c'est que nous avons 4 ans pour nous habiter. Et comment on est toujours en insécurité silencieuse, mon amour? Bon, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que pour ça, la part des choses. Part des choses, les alliés, à chaque niveau, une responsabilité. C'est-à-dire que le président a sa responsabilité, le peuple n'a pas sa responsabilité. Il y a un président qui a été Congo parce que Félix Tshisekedi a une démocratie. Non. Le président de la République mouto engage la nation na ba pays tiers. Le Congo vivra toujours avec ses voisins. Ce qui biso le loto lingi to luka batu oyo baza ba ennemi na biso na kanti mokili mobimba. Eza ennemi na biso. Nous sommes mal aimés à cause de nos richesses. Batu ba lingi te to s'organiser. Ça nous devons l'apprendre même à nos enfants. Ce qui le loto apprendre que se défendre te, il faut toyer ba yango que aujourd'hui, la menace, il y a Rwanda et aussi la parce qu'ils en ont déjà touché à la fin. Il y a un Kagame qui a très mal à l'aise. Mais et aussi là, on va nous chercher encore une autre façon. Il y a qu'au dominer Bissau, il y a qu'au opprimer Bissau. C'est à nous d'apprendre à nous défendre. Les relations entre les États et que ces États, les neuf pays voisins au bazar qui entourent Bissau, ceux qui les lobby Bissau, tu continues la logique. Il y a qu'au Bundana Bango, tu as qu'habitumba wanate. Est-ce que le Congo saura faire la guerre dans 9 pays où ils ont entouré Bissau? C'est-à-dire, Félix Tshisekedi est dans une logique normale. Tu es bien que le pays où va profiter d'un désordre, d'un manque d'organisation à niveau de Bissau, d'un complot international où ils ont salé le Congo et le gâteau à Moutounyonso. Tous, ils en ont profité. Tu exclues le pays où ils ont Moto Mokota a moni place désordre, ils ont dit, ils ont profité à Moutounyonso dans les relations entre les États. Bolingo, c'est les intérêts qui comptent. Même les liens où ils allaient coïnir certains États, ils basent leur alliance na bango. C'est toujours des alliances d'intérêts. Biso problème na biso Congo ici, nous voulons faire entendre notre voix en tant que peuple. Bah respecter pe biso Congo, c'est ça. Au Félix Tshisekedi d'azo ça là auprès à bas pays tiers. Ils ont été mal élevés, basaki mal habitués. Na bas régime nous ces a passé à. Ils n'ont pas appris à nous respecter parce que tout ça, il y a des dirigeants irresponsables. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi veut que le pays où on a apprendre à respecter Bissau, l'image de Sikaya Congo. C'est le moment choisi par nos frères pour combattre énergiquement Mouto Yaye Kolongola Congo dans le boulot. Ça, c'est une honte pour nous. Tant que les autres ont l'énergie au Congolais qui ont gaspillé pour combattre Félix Tshisekedi, ça fait notre honte. Et ça, c'est pour ça que nous sommes tous côté. La relation entre États est continuée. Même le Rwanda est un voisin naturel. Si nous sommes Rwanda, nous sommes un voisin de Bissau. Nous parlons ici parce que tous les ennemis sont Rwandais. Les Rwandais sont un voisin de Bissau. Il y aura toujours des gens qui iront au Rwanda. Mais le problème, c'est la logique, c'est la politique de Kagame avec son gouvernement. Bato Baza affilié à la politique de Yohana, nous devons combattre. Mais dans la longue, Bissau tous a vocation à cause de la puissance. Bissau Congo tous a l'ami pays mounéne. Nous devons dominer tous ces petits pays là économiquement, politiquement. C'est sur base de notre organisation détruite bah koko mana na idéal ouana. Mais bah tout ce qu'on que Félix c'est qu'il dit lorsqu'ils entretiennent des relations avec les pays qui nous ont agressés hier, bah pays Oyo, baza parmi bah pays Oyo bah exploiter Bissau. Mais ceux qui le lot aux autres bah Rwanda, Uganda, baza ensemble, bah nous sommes les autres bah la lien à Kenya. Je vois les tweets, il y a bah politiciens à Bissau. Je cite ici Francine Muyumba qui nous dit que nos frères DC sont capables, il y a quoi ça la Musala Wana, nous ne pouvons pas compter sur la force régionale ou une force quoi que ce soit. Pendant 18 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait des frères DC? Joseph Kabila a dirigé le Congo pendant 18 ans. Dans quel état Félix Tshisekedi trouve nos FARDC? Ce sont des militaires abandonnés.
il a créé une milice au sein de FARDC. Cette milice-là est constituée des étrangers, bandekoune ba rwandais. C'est ce qui a fragilisé notre armée pendant toutes ces années. Ce qui Kabila Zaki n'a besoin que FARDC à la bataille pour défendre Oyo et Zali Mboka Congo. Alingakati a une armée puissante. En 18 ans, nos FARDC devaient être mieux occupés parce que nous en avons les moyens. Mais à la Kisabiso, armement Oye, à Tikel Bissot et à FARDC. C'est Kabila lui-même qui organisait ça. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes qui nous ont amenés dans les trous, Babi Maloko a des noirs de leçon. Comme il y a la télévision, les Congolais qui ont été Félix Tshisekedi nous a trahis. Qui a trahi? C'est prendre les Congolais pour des amnésiques. C'est penser que les Congolais sont en mémoire. Que nous sommes pendant 18 ans, nous sommes en mémoire. Non! Arrêtez de nous rappeler Joseph Kabila. Ce n'est pas quelqu'un qui se rappelle avec sourire. Tous les gens ont tristesse. Joseph Kabila. Le fait d'avoir été dirigé par ce pantin-là, qui a été là pour le bonheur de toute la communauté internationale, il y a un peu comme si on était aux Alliés. Donc il faut que ces gens-là qui cherchent à manipuler l'opinion publique cessent d'importuner les Congolais. Et c'est là que vous pouvez s'abuser de ces côtés. Les pays membres des États de l'Afrique de l'Est, je ne sais pas adhérer. J'étais très content, même si cette démarche-là est une démarche de routine. Mais au moins, la voix du Congo s'est fait déjà entendre. Les événements vont les rattraper. Mais tout le monde, ils ont salé en Afrique d'ici. De Mboso à Sololi, il y a un président qui est dans l'Assemblée, il y a Afrique. Il y a un échange dans Bango. Mais tout l'an dit, opposition à l'Afrique du Sud, comment il y a clairement que M23 a un parrain. Le pire ici, c'est que pendant que Mokili Mobimbe yebi que Kagame agresse le Congo, Kagame, le M23, c'est son armée. Ici, il y a Mokili Mobimba. Il y a des partis politiques congolais, je les cite clairement pour les accomplir ici, Yébani. Les gens comme Moïse Katumbi, Joseph Kabila et les autres, ils soutiennent le M23. Pour que la déstabilisation continue à l'est du Congo, il n'a pas été en mesure de résoudre la situation sécuritaire. Et Zali passe de vivre avec Bando, qui n'a qu'à Mboganabiso, pensant qu'ils sont pour notre bien. Ça, ça doit être un éveil pour les Congolais, pour comprendre. Ils sont là, ils ont les élections. Tomoni appelle mon côté sérieux, où ils ont un leader. Au bas, on est leader parti politique. Tout moni est l'or au moment retour. On va zo ça pour orienter les Congolais. Mais moni soutien à monoko. Ils a facile à golobat. Dès que nous sommes tous au bas, je soutiens les FARDC. Bisonyons, bas mususu, bas on marchande les colonango. Au gros ça moi polo na yo ya vert pâle tout ça au commis FARDC les colo. Les gens pensent que c'est ça le soutien. Non, le soutien vient du cœur avec des bonnes actions. Parce que bon, il faut le soutien le FARDC. Dans moment ya boy, tu sais que ya bien abatouté dans des états sérieux, les opposants eux-mêmes vont voir le président de la République. Na kaniti forte tu sais que des okangamate, ils vont aller lui dire, lui proposer ba makambo ba bazo sal. Mais comme ils sont dedans, mais nous on a bangwe kangami. Où est passé notre cardinal? Notre bienheureux cardinal oaza connu dans monde, le pire des cardinaux. Oyo abandé ko tchem so makele la wa comment Mbokeza mal géré tout ça. Où est-il passé? Il attend le discours des élections. Congolais, élections. Pourquoi? Parce que leur carte, c'est qu'on vise l'élection. Et même l'élection, ils ont déjà compris que le Congo déjà est entre les mains des Congolais. La fierté que moi, je l'ai dit, c'est pour tout ça, la dialogue, avec Félix Tshisekedi, les éclairés comprennent que le Congo est un Congolais. C'est parce que notre pays est entre les mains des vrais fils du pays. Bato yo bazaba kolabo ya ba infiltré na ba prédateurs mondiaux balingi na bango te ke sale mandenge wana. Donc comprenez dans un sens où est légitime que les Congolais ont le droit de se défendre. Ce sont d'être des instruments ya manipulation ya ba parti politique. Nabato bazo kanisa ke bazo servir ba Congolais alors qu'ils sont au service de leurs intérêts. Moi j'appelle les jeunes surtout, tu éviter qu'on manifeste à sur base de la manipulation. Pose la derrière FARDC, il faut pas ka baire mobiliser autant dans parti politique moko songolo pakala. Il faut que nos mobilisations soient spontanées, nos mobilisations viennent de notre propre conscience et nos mobilisations moko ezabazé
ils ont une image, un acteur politique, ou à mobiliser Batouboué pour un soutien à FARDC. C'est une honte. Est-ce que pour les Congolais, Balabala, va soutenir FARDC, il faut que ça vienne d'un parti politique. Ça, c'est une chose qui montre que Bissot Bazo manipulé, Bissot Bazo continue à manipuler la jeunesse. Et ça, c'est clair là-dessus. Merci beaucoup, Amborato, bloqué de Zetali, opération projet de CESAM, na Katia Nairobi, peut-être sur Zetali, na Katia Bounagan, la situation où ce qu'on s'empirait toujours dessus, comme on a déclaration, il y a un groupe rebelle, ou un et un groupe rebelle, ou bien un terroriste, ou ce qu'on s'appelle, habitants, il y a Bounagan, la Bazonga, la Benabana, qui est là, pour nous avoir procès, ça va être un militaire, un bourgeois, un qui, mais. Je comprends pas. Et comme il y a un cas de la part de la gouverneur. Gouverneur. Non, qui voit ce que l'on sait, qui est monté, monté, que les rebelles, les bateaux, les animés, les bactères politiques. Oh, bango bazo salawaneza bangote, ce sont des pions au bazali ko agir avec les orientations, les instructions, il y a ba politique au bazana simana bango. Là, on cite bien Kagame et certains congolais parce que na salaka émission moko na lobela pe makambo wana oyo muto aza ko bima porte-parole wana M23. Son père, aza rwandais. Parce qu'il s'est dit congolais, papa n'a pas rwandais, maman n'a pas été mutaza au Congo. Il a étudié au Congo, il a étudié à l'Unikin, à l'université de Kinshasa. Le Congo a tout fait pour lui. Bato Ozomo na bazo se retrouvé pas na biso. Il a enseigné, bato baza na province orientale ba yebie. Azaki pas enseigné à kuna. Mais on ne sait pas par quelle sorcellerie il s'est retrouvé aujourd'hui, représentant tout porte-parole à M23. On sait qu'il est manipulé pour l'argent. Alors, objectif na bango eza ki ba contrôler l'administration. C'est-à-dire population amesanana bango ba koma donc ba koma légitime ba légitimer prise na bango ya position wana na population population amesanana bango ba affaiblir population. Voilà pourquoi ils sont en guerre na gouverneur ya Nord Kivu a lomi clairement ba frontière est fermée ba activité mon côté salimana axe wana ils allaient façon parce que nos frères qui vont aller là-bas pour banda ko traverser kana frontière wana ba kokote na bango mbongo et ko permettre bango ba fonctionner. Alors, il ne faut pas que les Congolais soutiennent la guerre dans la zone Oyo, ils ont occupé dans Batouana. Si les Congolais vont là-bas, ils payent l'impôt, bah, ils foutent bah, la taxe, ils auront les moyens de fonctionner. La meilleure façon de les étouffer, c'est d'arrêter, cesser tous ces commerces-là transfrontaliers. Bilo gozo ou ta Ouganda, et kote la Rawana, et kote la Kate. L'activité, c'est la Sunanzela Wanate. C'est ce que le message que l'État congolais veut lancer. Souci, il y a des rebelles, ils allaient qu'on l'ouka, quoi, génuer le gouvernement. Pour justifier ma revendication na bango congolais nyon soyez ba ke loko ba M23 baza ko luka ize loko kabila comme ça qui mon mesano ça dire ba tie makelele ba tie pression tant ou ba ko kende na ba table la négociation ba zo bango ba ko tsa bango na ba gouvernement ba ko tsa bango na armée ise lobami na tribune des Nations Unies na ministre affaires étrangères au nom du président de la République que ba brassage wana tukutikala ko ndimango le susuté aujourd'hui tous les congolais revendiquent que ba infiltré wana nyonso rwandais na kacha ba institution na biso babima ngape nazo sala campagne ya sensibilisation na lobaki désormais polo na ngai pancarte na ngana ko banda ko tambola na ngobisika nyonso presse ko benga ngai ezali recensement général identification nationale à tous les niveaux première arme ya wana deuxième arme za loi Noël Tchani wana ça passe ou ça casse obligatoirement un congolais sérieux normal waza na ba nerf na ye solide. Je pense que à cause de la derrière loi wana to boyi na ba niveau ya ceux qui bana na biso to robota ceux qui ba génération future ba ko ya ko amoindrir loi wana pour changer s'adapter à la mondialisation ndenge ba tumusu bazoe bisa biso c'est clair mais pour l'instant loi Noël Tchani comme une utilité na ngo to appliquer ngo sans toutefois que tu ko hésiter et le monde entier ne nous condamnera pas maintenant on biso ba congolais to za na kati na biso na ba manipuler qui veulent nous faire croire que voyez, ailleurs, ça se passe comme ça. Ou loi ou anéza discriminatoire. Discriminatoire par rapport à qui? Yo, l'embo, on commis qu'on défendre l'étranger. C'est ça la honte des Congolais. Donc, comprenons que Makambu, Eza, ou le Kanabunagana, Makambu, Eza, ou le Kayer avec le mouvement rebelle,
ils ont compris que existence na bango et Dieu touché na fin. Et le roi Moutou a eu pour nous mettre fin d'existence na bango, il faut bâtir panzi likolo. Et Kagame lui-même comprend na minute que Makamounion se sont tournés dans de faveur. Ce qui se passe ici, dans le monde entier, c'est que les criminels, Moutou Aza derrière agression, la tuerie est dans l'Est à Congo, c'est M. Paul Kagame. Donc, on pense que c'est déjà clair là-dessus. Moutou Aignon a comprendre à quoi il va là. Pour que sénateur, tout ce que vous avez fait, c'est un message fort. Il y a un Daniel Asselo, ce que vous avez fait, c'est interdit de tenir l'aspect militaire et ce que interdit le groupe. Il y a ensemble, il y a un été par-ci par-là, pour le Cambo Taïdi, est République démocratique du Congo, il y a une manifestation, il y a un été tout ça. Vous avez fait un analyste politique, il y a un République du Congo, il y a un été du Cambo. Bon, il y a liboso, les gens là mon gouvernement a joué des mesures pour nous encadrer le discours oyo et pour que nous avons des dérives. Tout le monde a incité la haine contre la communauté Moko Songolo Pakala. Même ces infiltrés là, ils ont le droit d'être protégés. Mais on n'empêche pas aux Congolais d'avoir, de faire usage de ce qu'on appelle la légitime défense. Biso injustice automoni devant Mokili Mobimba. Bazo considérer biso le roi peuple était le roi l'état. Les Congolais aussi, bazabatu. Nous ne serons pas contrôlés aujourd'hui quand il y a Congolais. On ne sait jamais ce qui peut arriver l'un de ces quatre matins. Mais le ministre a ce loyer, il y a des gens qui ont pris la décision. Il y a Abimi Malamoko à Bouaki. On attendait le ministre sur plusieurs plans. D'abord, on a critiqué la gestion en tant que ministre intérieur. Et puis, il y a un ministre intérieur qui a contrôlé. Le président de la République a besoin à humaniser politique police na biso, à rendre ango plus professionnel. O eza ya biso. Sikoyo na kanisi que ministre o ya comprendre vision ya président na makambo etali police na biso na ba service na biso à sécurité. To uti komona conseiller à président en matière en infrastructure David Mukeba akiti na site oyo babandai kotonga ba bâtiment ba ériger ba bâtiment où il faut basa la académie militaire académie ya police ici ka bi fala ki ba former ba policier na biso. C'est un projet qui date depuis 2014. L'Union européenne a tchaki mbongo gouvernement pas en part na ye ba sundola banda ou ke nan se le kuti ba bâtiment ya bien c'est tellement ba sundola to tikali ko mona ministre te akita mona ba bâtiment wana a présenté biso ango. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces bâtiments? Rien. On comprend que c'est un figurant. Congo est en train de mesure réactif. Ce qui est le cas, c'est qu'il réagit. Dans la minute, il prend une bonne décision. Non, la réunion politique est à la tête. Il a enfin la liberté. On comprend dans certaines circonstances, l'État a sa restriction à la liberté pour la sécurité nationale. Mais dans l'Iro, c'est rendre encore les Congolais bouche à Kokanga. Il faut encadrer ces gens-là qui parlent. Azana dans ma tante a coupé que ça va congolais la minute au bas se réunir bas le bel amakambo kanabango. Ça moi je pense que ça sur qui tout côté au moins Moutou il faut qu'on lance communiqué Moutou oyo azali responsable ya ba propos ya o ezali ko inciter à la haine ba propos ya violence à ko répondre ye moko devant la loi. Mais on ne peut pas interdire les manifestations, ça se montre que le gouvernement ne gère pas batou. Tout ça déjà dans la loi, où ils allaient condamner Moutou, où ils allaient faire l'appel à la haine. Ceux qui ont gagné Moutou en Dengiwana, qu'il soit de l'île de paix ou qu'il soit de quel parti, on l'arrête. Parce que ça, c'est bien qu'on a. Mais si on a mené tout le monde, toutes les manifestations publiques, ils ont interdit. Donc, les Congolais ont les sous-souté, ils ont se réunir pour nous faire l'appel. Moi, je pense que dans le plan, on a orienté Makambo. Parce qu'on comprend que le gouvernement a besoin d'encadrer. Nous avons eu un moment où la tension a monté. Mais qu'il sache que Congolais ont privé liberté de parole, la liberté de parole, la liberté de parole, la droit de parole. Les Congolais doivent se réunir. Dans le Rwanda, ils se mobilisent, ils se infiltrent, même dans les réseaux sociaux. Dans la communication, ils se mobilisent. Bon, nous, notre communication qui passe de bouche à l'oreille, ils ont le droit de téléphone rouge. Même si vous avez payé ça dans la carte, mais il faut encadrer. Il faut qu'on interpelle, tout le monde. Différents leaders d'opinion pour expliquer de quoi il s'agit.
Wana ministre intérieur aza capable au sala ngote. La première des choses c'était faire appel na ba responsable ya média, faire appel na ba leader wana politique. Les gens ba parlementaires debout le rôle ya IDPS tout comme ya ba parti politique mususu pe ba meka ko sala ngo. Ko pesa orientation. Mais dire aux gens en minute OK, ba to ba lo bagaté, ba to ba se réunir té pour parler politique. Moi je pense que ils allaient ko étouffer mobilisation à ba congolais. Ministre Aselo tango ezali nanu ya ko mobiliser, ko se mobiliser, ko réfléchir bien sûr ba décision aux ozo. La communauté internationale a l'habitude de prendre des congolais pour les lâches. So ba congolais bazali ko se mobiliser, il faut encadrer ce que font les congolais. Mais ko pe ça ba congolais té oyo na minute le monde entier ça a besoin mona une forte mobilisation à ba congolais. Ça moi je pense que naza penda d'accord na ngote, mais je condamne au moins parce qu'il y a des gens instrumentalisés. Oyo bazali ko leka na ba discours ya haine, oyo ba pesi bango ba mbongo pour aller faire usage ya ba machette, ba tiango na mutu ya IDPS, ba tiango na mutu ya ba tusongolo pakala ke non, ba tinda ki biso to sala boye. On sait que l'argent circule. Boza na ba service ya renseignement, boza na ba service ya sécurité, boza na ba commandant la police ki chasa oyo mobimba. Bo travailler là-dessus pour encadrer ce qui se fera. Service ya renseignement musa na ngonini. Bino bo moni mutu azo ko bimisa ba propos ya mabe. Oyo ezali ko inciter ba tuna haine a lobby yango etamboli na ba réseaux sociaux mukili mobimbe yo kyango. Il passe 48 heures une semaine mutu moko te interpeller kayi. Ça montre qu'il n'y a pas l'état. Soyo yo yo pekisa ba tunyo so ke non ba tunyo so ba banda ko se réunir te parce que on constate que ba discours eza. Moi je pense que c'est l'incompétence du ministre de l'Intérieur. Acto d'abord to monaki ke ba abandonner ba bâtiment ya académie militaire ya académie à la police. Et si quand il va former ma policier, parce que dans le moment où RDC fort formera déjà ma policier, la vision au président de la République à Zanango, il y a un état de droit. Nos policiers, pour la plupart, dans la zone périphérique, ce sont des inciviques. Ma recrutement où Joseph Kabila sali tous ces derniers temps. Qui est ces gens-là? Qui sont ces gens-là sérieux? Au Bagolungwa dans la université, bakota dans la police. Et comme Moussa l'a voyou. Et tous les lukake, police n'a bise comme un professionnel. Il faut former des policiers. Au bas dans la mentalité, il y a un état de droit policier se comporte comme n'importe qui. Mais ça, on entend pas ça de notre ministre de l'Intérieur. Et là, obispo de Zomo Nzagaga, quoi qu'on me l'a dit, c'est une décision. Apprenez, ma ministre, cher ministre, tu es bien que gouvernement a bien opéré. Il y a des warriors, il s'est découragé, n'a pas encore battu. To lembi déjà pe bino to zo zela ba compte na bino depuis que président parle obeli ke il va revoir les choses to si to lembi ko mona bino na kati na bino ebele ezaka la soki moni balingi ba sekwe yo oye mbangu na populisme pour na obtenir adhésion à population ki na bandai ko sa musala. Donc pour moi je pense que ba responsable ya ba parti politique eza important que ba benda ba membre ya ba parti politique na bango matoyi. On doit se mobiliser mais ne tombons pas dans les pièges des Rwandais. Parce que bango va se victimiser. Dengue bazawana les Tutsi sont dans les complots de la communauté internationale. Les occidentaux ont-ils le lobe dans la logique wana? Ils ont toujours tendance à soutenir les Tutsi wana. Les génocides tels qu'on les avait, qu'on l'avait présenté na ba année antérieure, ils allaient qui pour qu'on tombe la Tutsi, qu'on tient bango na pouvoir, qu'on tient bango ba banda ko cause. Aujourd'hui vérité ils a est connu au grand jour ba kongo ba tunyo so ba yebi. Qui sont les Tutsi musalo bazako sala na ba mafieux wana ba entreprise multinationale. Comme déjà te découvrir bango, il faut pas te céder na ba bêtise na bango. Nous devons nous mobiliser et loko ya liboso ngana zolo ba parlement wana soki biso ba congolais tozaki brave. Vous excusez na ba terme soki za lourd soki biso ba congolais tozaki brave mais le parlement c'est kangami. Parce que ba manifestation na biso se fois za na parlement, c'est là où il y a des lois. Il y a Mabé et l'éclat dans le régime à Kabila et facilita l'infiltration à Rwanda. S'il faut revoir nos lois, le Parlement et Zawana, ce n'est pas le président de la République. Aujourd'hui, on veut Bissot, on se trouve dans l'énergie, il y a un combattre, pour contredire la décision à Félix Tshisekedi, dans l'énergie, il y a un fin, il y a un signe à la machette. Un petit message, faire des sages aux recrutés. Ceux qui m'ont aimé, ceux qui ont une vocation pour servir Mboka, qui ont été dans la faire des sages. Nous faire des recrutes dans la province Union sur la République démocratique du Congo, y compris dans Kinshasa, dans le camp Kokolo, selon le communiqué dans Bango, bazo recruté. Au lieu aussi de machette, de manipuler, de poser du n'importe quoi, de salir l'image. Les Rwandais qui sont en machette, de faire des macabouana, ils le font en toute discrétion, que bazo même ba image à ma béouana, bazo tourner en contre-biso. Mais ils ont une machette, ils ont devant mon kilomobi, qui est toujours le cas de Rwandais.
Tu es un infiltré, yomoko, oza mutu, o batindi pour yako salir image ya, ya mboka, o jouer pour carte pour na encourager ba Rwandais. Muto ya Monique aza très déterminé. Il veut servir sa patrie, far de si yango na to kota. Pour nous tous au Bototikali, il faut tous se mobiliser comme un seul homme pour dire non définitivement qu'on tourne page sombre. Il y a Afdel ou Ngana Ming na bete la cassette, page ou il y a Afdel, toi enterré en mon libella, na kagame nzela moko. Merci beaucoup, mon amour. C'est un peu comme ce que vous avez dit. Vous avez dit que 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 toujours avez dit na vous na biso. Vraiment, mobilisation na biso nde mutu ezope sa force na diplomatie à président de la République, na représentation président de la République azo représenter République démocratique du Congo. Congolais nyonso, ozala wapi à travers mokili mobimba. Il ne faut pas tout le gisa une semaine sans qu'on manifeste. Pour ceux qui sont en union de prière, tu es d'accord avec Bino qu'il faut prier pour la nation, pour toi inverser couvre et anti-valère. Bisogno so far dessin na mutema parce que ko servir mboka ezala ko la ta tenue militaire te, mais on peut aider son pays, on peut aimer son pays même si on ne porte pas ba tenue militaire to ba uniforme o ezali ya ba armée na biso na police na biso. C'est dans l'unité, dans l'amour nde mboka na biso ko yeba ko kende liboso. Pour ceux qui veulent soutenir la campagne des beaux congolais, congolais nyon soit téléma le numéro est à +243 82 349 65 26. Merci beaucoup.